Bon, je dirais que les types de tortures qu'on a vues, ce n'étaient pas des tortures très sophistiquées, c'était des actes cruels et inhumains, des tentatives de suffocation, soit avec un chiffon mouillé qu'on maintenait sur le nez et la bouche, soit en versant du liquide, quelquefois avec de l'essence, il y avait la tête immergée, que ce soit directement dans l'eau, ou alors les pieds attachés, puis on faisait tomber la tête dans l'eau. Il y avait des brûlures, qu'elles soient électriques ou au feu, il y avait des coups, bien sûr. L'arbatacha, c'est un mot tchadien qui désigne la torture qui consiste à attacher les bras dans le dos et puis relier les bras attachés dans le dos aux chevilles, si bien que le corps est en forme d'arc, ça fait horriblement mal. Et puis ça laisse des séquelles immédiates et à moyen et long terme qui peuvent être importantes. C'était très fréquent, ça. Bon, les coups de fouet, les expositions au soleil, le manque de nourriture, la privation d'eau. Et puis, il faut dire que les conditions d'incarcération étaient en elles-mêmes assimilables à des actes de torture par le. C'était effroyable, il n'y avait rien dans les cellules. On se couchait par terre, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de sortie pour se laver. À la piscine, qui était un des lieux les plus redoutés, les plus emblématiques, pardon, de la période à Bray, c'est une piscine qu'on a recouverte d'une dalle de béton. Vous imaginez la chaleur qu'il pouvait faire dans un bâtiment pareil, et qui n'était aéré et éclairé que par des espèces de petites fenêtres qui devaient faire, je sais pas moi, 50 cm sur 20 cm de haut, tout à fait à la jonction du toit et du muret. Et c'est par là qu'on passait un tuyau de plastique pour donner de l'eau. Alors, les gardiens un peu gentils oubliaient de fermer tout de suite l'eau. D'autres, au contraire, l'ouvraient, la fermaient. Les gens se bousculaient dans la mesure où ils pouvaient se bousculer pour avoir un petit peu d'eau, pour boire, pour se laver, puis c'était fini pour la journée. Il n'y avait pas de toilette. Une espèce de grands récipients qui devaient faire à peu près 5 litres en métal. Et puis c'est là que les gens devaient, les uns dans les autres, faire leurs besoins. Beaucoup avaient de la diarrhée à la suite de l'émotion, à la suite de la nourriture avariée qu'on leur donnait. C'était une horreur. Donc ça aussi, ça comptait comme torture. De même que les gens décédés qu'on laissait dans les cellules, quelquefois ils se décomposaient, c'était une puanteur. Alors, puis on se dit que je vais être le prochain. C'était ignoble. Alors, il y avait un gros arbre dans la cour de la DDS. Et sur une branche qui était quasi horizontale, une grosse branche, c'est là qu'on hissait les personnes qu'on attachait par les pieds. Et puis on leur faisait d'abord ingérer de l'eau jusqu'à ce qu'ils puissent. Plus respirer, on les montait et puis on s'amusait à les lâcher, comme on lâchait un ballon, si vous voulez, qui va éclater. C'est ce qui s'est passé pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont fait des ruptures d'organes et ils en sont morts. D'autres se sont reçus plus ou moins sur les chevilles, sur les genoux, ont des séquelles articulaires, mais ont réussi à survivre. C'était une horreur. Ça.